ses favoris de l'histoire, il est isolé dans sa vision des choses, au point de croire lui-même au fantasme qu'il invente. C'est ça qui est terrible, et c'est propre à chaque dictateur. Ça fait venir Poutine et la Volochine, qui a beaucoup parlé des ethnies présentes en Russie, et il a souligné les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. Oui, alors c'est un peu son fameux mythe soviétique de l'amitié entre les peuples, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, Vladimir Poutine souligne très souvent que ce n'est pas une guerre contre les Ukrainiens, c'est une guerre contre les nazis. Alors, je viens de t'envoyer un lien d'invitation sur... Ok, tout à l'heure. Et des pages qui ont finalement été le socle, le fondement du patriotisme, à savoir les soviétiques, dans ce que là, en Russie on appelle la grande guerre patriotique, c'est-à-dire la seconde guerre mondiale. Donc il y a cette notion d'ennemi. L'ennemi ne peut pas être le peuple ukrainien parce que c'est notre peuple frère, mais l'ennemi, c'est les nazis, c'est un ennemi bon. Toujours historique. Et ok, bon. Nous, bonsoir, ça va? Bon, ça va bien. Donc je vais partager des tableaux blancs. Et sa confession comme président, peu importe que c'est complètement inventé toute l'histoire de nazis depuis le début, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Voilà, c'est partagé. C'est-à-dire que 2014, vous avez la révolution pro-européenne sur Maïdan. Et vous bon. J'avais laissé un exercice. J'ai essayé de le faire. Oui, oui. Bon, maintenant, c'est... Tu peux m'envoyer ce que tu as fait. Je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit de concluant, donc je... Ok, ok. Bon, tu as compris la correction de la première question. C'est de diviser les... Tu veux que je revienne sur... Si on considère que la cloison minimum, c'est 0 et la cloison extrême, c'est N. Ah oui. On a N moins 1 rho. Oui, d'accord. Ok. Au fait, ici... Bon, on reprend. On peut modéliser, ok? On peut ici modéliser. Et on met des boîtes. La première boîte, son des cloisons fixes, quoi. Et les extrêmes. On met des extrêmes d'abord, d'accord? Oui. Bon. Maintenant, il y a des enveloppes. Je prends une autre couleur pour les enveloppes bleues, par exemple. Bon. Il y a P enveloppe. J'avais pris comme exemple pour les boîtes, les N, c'est par exemple 6. P, c'est 7, n'est-ce pas? Pour les cloisons ou les séparateurs. Séparateur S. Donc, on a, au fait, 6 moins 1, quoi. Séparateur. OK. Donc, on a bon, P, c'est les enveloppes. Maintenant, les enveloppes. Je mets cette enveloppe au hasard, comme c'est les mains, ok? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept enveloppes. Maintenant, je vais prendre des rouges, disons des noirs, comme séparateur. C'est quoi ce que tu avais écrit? Le S égale. Les séparations sont 6 séparations. 6 moins 1, oui, il y a 6 moins 1 en tout pour faire des 6 boîtes. Donc on doit mettre. Regarde ce que j'ai fait. N'est-ce pas, j'ai fini de placer les 7 séparateurs, les 7 enveloppes. OK? Maintenant, je place au hasard des séparateurs avec la couleur noire. OK? Et comment tu arrives à 6 moins 1 en fait? 6 moins 1, ça fait. Oui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai. Plus 6 moins 1. Ok? Ok.
D'abord, je place les 5, n'est-ce pas? 5. Oui. Oh, je prends la couleur noire, 5. Au hasard, voilà, ok. Ça fait 1, 3, d'accord? 4 et 5. Ok? OK. Entre, ça c'est une boîte. Ok? Oui. Une boîte comme ça. On a la deuxième boîte comme ça. D'accord? Troisième boîte. Quatrième boîte. Cinquième boîte. Sixième boîte. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait abstraction. On fait comme si, hein, les enveloppes et les séparateurs constituent les mêmes éléments. Hein. Ça veut dire que je ne regarde pas la couleur. OK? J'ai combien d'éléments ici? Je prends une autre couleur. De là à là, j'ai combien d'éléments? Six éléments. Hein? Six éléments. C'est ces 6 boîtes, mais les traits noirs avec les traits bleus, ça fait combien? Trait noir avec les traits bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. En Non. comptant les rouges, ça fait 12. Sans supprimer On ne rouge. compte pas les rouges, on ne compte pas. On est combien? 12. 12. N'est-ce pas? Oui. On a 12 ici. OK. Donc, les 12 éléments là. Les 12, c'est enveloppe. OK. Plus séparateur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire une configuration? Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir faire une configuration? On a choisi 5 parmi 12. Hein? Donc Pour la une. 12 sépare tous Ouais. séparateurs. Voilà. Hein? On a choisi 5 qui doivent être des séparateurs parmi les 12 éléments. Ah ben, ça c'est pas difficile. Donc, ça veut dire une configuration, c'est. Choisir, écoute bien, une configuration, c'est choisir 5 séparateurs parmi les 12 éléments. D'accord? Donc, le nombre de. Donc, une configuration, c'est un sous-ensemble à 5 éléments, d'un élément, d'un ensemble à 12 éléments. Donc, en tout, on a 7, 12. 5. 2, 5, 12, 11. Hein? 5, 12, 11, oui, ça là. je peux le calculer. 5, 12, 11 n'est autre que ici. N moins 1 plus P. OK. Le factoriel de 5. N5, c'est, on a 5 et 6 moins 1. 5 et séparateur. N-1 plus P. Et P, c'est... Ah, ok, maintenant je comprends. Je commence à comprendre. Vous avez compris maintenant, hein? Je suis peut-être pas aussi con que je... Voilà. Au fait, on choisit pour faire une configuration, on choisit 5 éléments parmi 12. Ça nous donne une configuration. Donc, le nombre de dispositions, c'est CN moins 1 en haut, CN moins 1 plus P. D'accord. C'est ça, quoi.
C'est bon? Oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Vous avez pris? Oui, Bah, donc maintenant il faut qu'on, en fait, il faut qu'on détermine les quartiles. oui, maintenant on revient. Oui, là c'est fini, c'est au fait. C'est ça le nombre de causes. Ça fait CN, CN moins 1, N moins 1 pris parmi N moins 1 plus P. C'est ça la réponse pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question. La deuxième question, vous avez réfléchi. Oui, j'y avais réfléchi, mais j'ai pas réussi en fait à voir quand je pouvais trouver les quartiles. Au fait, l'énoncé, c'est l'énoncé. La deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? Voilà, on est dans le, on dit d'en déduire le cardinal. En déduire le cardinal. En déduire. Sur le cardinal de E, mais ça on l'a fait avant justement. Le cardinal. En déduire le cardinal de l'ensemble. L'ensemble grand T égale. L'ensemble grand T égale à. L'ensemble Donc E1 égale X1, X2, une suite ordonnée de x X1, jusqu'à élément xi de N plus puissance xi N, à c'est-à-dire partir de X1 plus X2 plus XN égale à P. Au fait, on demande le nombre de solutions dans N de cette équation. C'est ça le cardinal. Le cardinal de ça. OK? nombre de solutions. On demande. Vous avez bien réfléchi? Non, j'ai... Oui. Donc, on va réfléchir ensemble. D'accord, nombre de solutions. Ce qui donne égal à P, si on a... Si on a... Regardons bien ici, ok? N'oublions pas que x1, x2 sont des entiers naturels. On peut regarder x1 ici comme le nombre, la valeur ici, nombre d'enveloppe, ok? Nombre d'enveloppe dans la boîte. Dans la boîte 1, ok? Plus ici, x2, c'est la même chose. Nombre d'enveloppes dans la boîte 2. Ça, c'est nombre d'enveloppes dans la boîte 1, ok? Égal à P. C'est comme si on nous demande ici, le nombre de manières de distribuer P enveloppe, comme le total c'est P. P enveloppe parmi N boîte. D'accord, ah, je commence un peu. D'accord, Hein? ok, je commence un petit peu, je comprends. Oui. X1, c'est un entier naturel. Donc, X1, c'est le nombre, si vous voulez, d'enveloppe dans la boîte numéro 1. X2, c'est le nombre d'enveloppe dans la boîte numéro 2. Xn, c'est le nombre d'enveloppe. Donc, le cardinal de E n'est autre que. Un instant. Désolé. À se faire. Donc vous voyez l'astuce. Cardinal de l'E est égal aux combinaisons n moins 1 plus p, n moins 1.
Voilà. C'est ça, tu vois, l'astuce, l'application. C'est D'accord. élégant, là. C'est très élégant comme. J'ai beaucoup aimé ça. Ça veut dire qu'on peut connaître le nombre de solutions sans les connaître, sans connaître les solutions. On a dénombré ici le nombre de solutions. Tiens, il y a peut-être un truc qui peut ressembler à un Par exercice. Il y a exemple, un. je vais te donner ici, si on a cette équation, x1 plus x2 plus x3 égale à 7. Quels sont les nombres de solutions? Alors, montre-moi. X1 plus X2 plus X3 égale 7. Voyons voir. On a trois numéros et le résultat, c'est égal à 7. Donc, si en effet. Alors, si je suis en effet le cardinal. Alors, pour X1 plus X2 plus X3 égale 7. Si en effet, on suit le nombre combiné. 3, 9, 3 égale 9 fois 8, 7. Instant. Quatre-vingt-quatre. 84, ok. Donc Oui. vous avez fait comme ça. C'est Combinaison de 3 et 9. ça fait CD ici. 3, C'est 2, 2, 2, zut, c'est vrai. N moins 1 CD. 9 fois 8 Voilà, sur maintenant factoriel de ça fait 2, 2 2. plus 7, c'est 9. 9 Donc ça fait sur C9. 2, 9 fois 4. Et 9 fois 4, ça fait. 9 fois 4, ça fait. Attends, 26, 36. Voilà. 36 réponses. 9 fois 4, ça fait. Il y a en tout 36 couples de solutions, quoi. Alors. Vous voyez l'application. Factoriel de 2, ça fait 2, ça fait pas 4. Enfin, non, ça fait 2. Oh, là, là. Donc, on divise par. Tu as raison. Ici, on divise ici par 2, donc ça fait 9. Oui, c'est bien ça, 9 fois 4. 36. N'est-ce pas? Oui. 9 fois 4, 36. On a 36. C'est que le A avec N au-dessus et P en dessous, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi en langage? Comment ça se traduit? ANP, c'est des arrangements. Arrangement, d'accord. Arrangement, oui. ANP, c'est le Ah. nombre d'arrangements de deux éléments parmi neuf. Arrange. C'est ce qui Moment fait 9 fois 8. de N et M parmi P. Attends, de L, c'est arrangement de N éléments parmi P. Oui, parmi P. Ça veut dire D'accord. A-N-P, Ah, le N est en bas et le P est en haut, A-N-P. d'accord. C'est N multiplié par N moins 1. OK. N Multiplié jusqu'à n moins moins p. P plus 1. N moins p plus 1. Oui, ça veut dire
C'est de produits de P et de Mandon de plus grands successifs. De P et de P et de Mandon successifs, dont de plus grands N. Le plus grand est N. Le plus simple, c'est aussi pour éviter qu'on ait un résultat nul. Maintenant, quand on divise ça par factoriel P, c'est ça, c'est Nombre de combinaisons possibles. CNP, ça c'est ANP sur Là, facteur. par exemple, il existe un jeu sur Internet qui s'appelle Wordle et où le principe, c'est de trouver une combinaison de mots. On a cinq lettres en anglais. Cinq lettres et chaque fois que l'on place une lettre dans la grille, soit elle est validée, soit elle est retirée. Ça, c'est intéressant. Et par exemple, si on fait, si on faisait ça, si on faisait comme ça, on a cinq le nombre de combinaisons. On a 5 lettres, donc ça veut dire que le n est de 4 et le nombre de possibilités, ce serait 4 plus 26, 30. Ce qui serait donc égal à a de 4 sur 36 sur 30 divisé par factoriel de 4. 30 fois 29 fois 28 fois 7. Ça me devrait me donner combien? Ce qui donne 27 405 possibilités. Voilà. Donc, par exemple, si on voulait faire la probabilité d'avoir la proba j'ai vu, je me suis amusé pour calculer quelle était la probabilité d'avoir 5 lettres du premier coup. J'avais trouvé une chance sur 100 000. Une chance, c'est ça. Ça, c'est avec des. Mais du coup, il faudrait. Ça te permet d'évaluer ta chance pour les doctorines. Mais si je voulais faire en effet ma chance, ce serait. La combinaison de 26 lettres sur 5, de 5 lettres parmi 26 sur la combinaison de. Non, ce serait la combinaison de 5 lettres parmi 5 lettres, donc c'est-à-dire les 5 bonnes lettres sur les 5 possibilités, divisé par la combinaison de 5 lettres parmi 26. Oui, c'est bien ça. Oui, donc ça me donne. J'avais calculé ça, j'ai trouvé une chance sur 100 000. J'avais fait le calcul. J'avais fait le calcul, trouver deux lettres correctes du premier coup, et c'est 20 % de chance. C'est Là, bien cette fois-ci, ça. c'était la combinaison de. C'est la combinaison de deux lettres parmi 5, multiplié par la combinaison de trois lettres parmi 20. Parmi 19, divisé par la combinaison de 5 lettres parmi 26. Oui, c'est bien ça, oui. Donc, on continue. Oui. Qu'est-ce qu'on demande comme question suivante? Alors, à quel ensemble E2 construit de façon similaire à E1 peut-on en déduire le cardinal? Alors, supposons que P est supérieur à N, de combien de façons peut-on répartir P enveloppe identique dans N boîtes aux lettres, de sorte qu'aucune boîte aux lettres ne reste vide si on l'a calculé? Ouais, donc je vais effacer d'abord le tableau. Donc, troisième question. Troisième. La On troisième question, c'est celle qu'on vient de faire. suppose P supérieur ou égal à N. OK.
De combien de façons? De combien de façons? Excuse-moi, j'ai juste une question. Hein? Le P, donc parmi les éléments P, il se met au-dessus et le N, il se met en dessous. On suppose P supérieur ou égal à N. Oui. On a supposé de combien de façons, on comprend d'abord la question, de combien de façons peut-on, de combien peut-on répartir, peut-on répartir P enveloppe identique. Si P est supérieur ou égal à N. P enveloppe identique. P enveloppe identique. Dans N boîte aux lettres. C'est le démarcheur là. Vas-y. Essaye de. Je vais fermer après. Dans une boîte. OK. De sorte dans une boîte aux lettres. De sorte. Aucune Aucune boîte aux boîte. lettres ne reste vide. Aucune boîte aux lettres. Aux lettres. Reste vide. Voilà. Ok. Ça veut dire cette fois-ci, on a les N boîtes. Ok. Il faut toujours faire un petit schéma. On a les N boîtes. Ok. N boîtes, c'est le symbolise comme ça. OK, trois points de suspension. Une boîte. Et on a P enveloppe. P est supérieur ou égal à N. OK? Pour d'abord, on veut que aucune boîte ne soit vide. Donc, il y a au moins, il y a ici Minimum une. minimum une. Donc, comme il y a une boîte, donc au moins on doit placer une lettre. OK? On doit placer au moins une lettre. Donc il va nous rester. On place une lettre. Déjà. Donc il va nous rester. Il restera P moins N lettres. OK. Bon, comme il reste P moins N lettres, le nombre de façons de placer ces P moins N lettres, cette fois-ci, c'est ça qui devient le P de la première question. Donc, tout simplement, on a une boîte. Donc, il faut choisir n moins 1 parmi n moins 1 plus p moins 1.
Ce qu'il fait ici, les N s'en vont. Voilà. Cette fois-ci, c'est P moins N qui joue le rôle de P de la première question. Moins n lettres. Voilà. On enlève N lettres. Hein, qu'on Oui. passe déjà. Maintenant, les autres P moins N lettres, on peut les placer n'importe comment. D'accord. Donc, c'est le nombre de façons, c'est ça. C'est P moins N qui joue le rôle de P de la première question. P moins n. Donc c'est bien le N qui se met au-dessus et le P qui se met en dessous. Moins P-1-5. D'accord, du coup ça voudrait dire ça devrait représenter un arrangement de N-1 éléments parmi P-1 sur un factoriel de N-1. Voilà. Voilà. Troisième question maintenant. Si par exemple tu Quatrième. as... Quatrième question. Ok. Ah, ça là. Quel ensemble E2 construit de façon similaire à E1 peut-on déduire le cardinal? Quel est l'ensemble? Et je vais effacer. Ok, bon. L'ensemble en question, je vais noter ça grand F. Grand F, en fait, ça c'est l'ensemble de X1, hein? X2, XN. D'accord. D'accord. Évidemment, comme aucune boîte ne doit être vide, je dois chercher des solutions. Non nul, ok? Tel que x1 plus x2 égale p. C'est ça l'ensemble en question. C'est la formule qu'on a écrite avant. Ouais, ça veut dire comme on a dit non vide. Donc xn ne doit pas être nul, x2 ne doit pas être nul. Et la cardinale de cet ensemble, Suppose que pour le tout cardinal de cet X, ensemble, c'est ça, c'est n moins 1, p moins 1. c'est bon. C'est bon. Alors, de combien de façons peut-on répartir P enveloppe distincte dans N boîtes aux lettres? Je suppose que c'est ça. Bon, là, tu peux réfléchir. Réfléchis un peu pour trouver. De combien de façons peut-on répartir P en enveloppe distincte? Distincte, cette fois-ci, ce n'est pas P en enveloppe identique, mais distincte. Ça veut dire qu'on peut le distinguer. Il y a des adresses qui sont écrites dessus. OK? Vous avez P enveloppe. Comment vous pouvez les placer dans... Il y a deux classes ou plusieurs? Hein? P enveloppe distincte. P enveloppe dans N boîte. De combien de façons peut-on répartir P enveloppe distincte dans N boîte? P enveloppe distincte dans une boîte. Ouais. Alors, je réfléchis. Quand tu prends une enveloppe, une des enveloppes, Oui. P enveloppe, quand tu prends une enveloppe,
Et c'est pas la formule qu'on a décidée juste avant. Non. Imaginons qu'on a, pareil, encore une fois, on a 6 cloisons, 7, 5, 6 cloisons. Je vais vous laisser un peu réfléchir. Réfléchis un peu, tu vas trouver. Et on a 7, on a 8 enveloppes qui sont de couleurs différentes. Avec minimum une enveloppe dans les boîtes. Combien de façons peut-on répartir P enveloppe distincte? Je vois pas en fait, je comprends pas en fait l'énoncé, c'est pour ça. Si on arrive en effet à faire la différence, qu'est-ce que ça change en effet à la distribution? Attends, qu'est-ce que ça change? Imaginons que j'ai 5 enveloppes et 4 boîtes. Que j'ai 5 enveloppes et 5 enveloppes, c'est 5 possibilités de. Ça augmente énormément le nombre de possibilités en fait. Parce que là où justement c'était juste des. C'est en fait, même si pareil, si j'avais par exemple 2 boîtes et 3 enveloppes, j'aurais que 2 possibilités de répartir. Mais si j'avais 3 enveloppes distinctes, j'aurais. Exponentiellement plus. Revenons ça. J'ai 3. Et 2 boîtes. Quand tu prends une enveloppe, Le tu as nombre de pas combien? de façon de la placer dans une boîte. Si, pardon? Quand tu prends une seule enveloppe, Oui. tu as combien de façons de placer l'enveloppe dans une boîte? Une seule? Deux? Pas deux. Tu as Deux. une boîte. J'ai? Tu as une boîte. OK? Oui. Tu veux placer, les boîtes sont identifiables. Tu veux placer une enveloppe dans une boîte. Tu as combien de manières? Je veux placer une enveloppe dans une boîte. J'ai qu'une seule manière. J'ai deux manières si je considère, j'ai qu'une seule boîte, donc il n'y a qu'une seule manière de la poser. Par exemple, tu as une enveloppe, tu as une boîte devant. De combien de manières tu vas placer la seule enveloppe dans une boîte? Tu ne dois placer que dans une boîte. Pardon? Ne dois placer que dans une boîte. Oui. Je ne comprends pas en fait ce que tu veux Il y dire. a, il y a, il y a P enveloppe. Oui. Il y a N boîte. Oui. D'accord? Bon, tu prends une première enveloppe. Décides de la placer dans une boîte. Les boîtes sont numérotées de 1 à N. Tu as combien de manières de placer une enveloppe dans une boîte? Je comprends pas en fait ton énoncé. Tu as P enveloppe. Oui. Et tu as N boîte. Oui. Tu dois les placer dans N boîte là. Tu prends des Combien? enveloppes une à une. OK? Oui, combinaison de. Tu prends une enveloppe. Tu dois la placer dans les N boîtes. Dans une des N boîtes. Il y a Oui. combien de choix possibles? P-1. Non, tu dois, le choix ici, c'est choisir une boîte. N-1. Pas N moins 1. Il y a N boîte. Oui. Hein? Tu es devant des N boîtes. Par exemple, en devant des trucs, on suppose que tu as 5 boîtes. Oui. Hein? Et tu as 6 enveloppes. Hein?
D'accord? On prend cet exemple. Tu prends une première enveloppe. Tu veux la placer dans une des boîtes. Or, tu as cinq boîtes devant toi. Ce serait factoriel de P sur factoriel de N. Non, ce n'est pas factoriel, c'est pas ça. Si je m'exprime mal. Tu as sept enveloppes. Et tu as cinq boîtes, ok? Oui. Déjà, je peux mettre 5. Attends. Déjà, je peux mettre 5. J'ai déjà une première combinaison de 5 enveloppes à... sur n-1, n-1 plus p. Sept enveloppes. Il y a sept enveloppes, il y a cinq boîtes. Oui. Tu veux placer les sept dans ces sept enveloppes distinctes. Oui, sachant que je dois mettre minimum une enveloppe. Pas minimum une enveloppe. Tu peux même mettre toutes les enveloppes dans la même boîte. Bon, tu prends, hein, une enveloppe, une seule, ok? Oui. Tu veux la placer dans les cinq boîtes. Il y a cinq manières, non? Oui. Ok? Oui, c'est à 5 boîtes, j'ai 5 manières de poser l'enveloppe. Voilà. Maintenant, une des enveloppes est en placée. Hein? Et tu as cinq manières de placer. Tu Oui. choisis des manières, tu Ah, as. mais du coup, ça veut dire que j'ai 5 manières pour la seconde et 5 manières pour la troisième. Oui. Et tu multiplies. D'accord, mais si, Comme en tu effet, s'il n'y a plus la condition d'avoir minimum une seule enveloppe, ça pourrait voilà, se... et là, tu multiplies combien de fois? Je multiplie par 7 fois. Voilà, donc n puissance 7. N, disons, D'accord. puissance p, quoi. Donc voilà, donc c'est... C'est Ok, donc... Voyons voir. fini, c'est n puissance p. Il y a n puissance p manière de placer et enveloppe dans n boîte. OK? Faut retenir ça. Il y a n puissance p manière de placer p enveloppe dans n boîte. D'accord. Si j'avais un effet de Regarde si multiplication. c'est terminé, non? Oui. Voilà. Donc, je t'envoie Le prochain. les prochains tout de suite. C'est parti.
C'est arrivé. Ta connexion est Ok. comment maintenant? Ouais, là, c'est un peu plus stable cette fois. Voilà, je l'ai Voilà. reçu. Voilà. Alors. Tu as 15 minutes de réflexion, ok? Il vaut mieux Quelles réfléchir. sont n et p deux entiers non nuls déterminés avec la de l'ensemble de suite? Alors. Juste, je vais mettre la lumière chez moi et j'arrive. Sont strictes de P et puissance large. Déterminer le cardinal de l'ensemble de suite croissant. Alors. De... Quel est le cardinal? Les suites croissantes P. Au sens strict. P, P1, P2 jusqu'à... Si on...
Regarde. Donc, ouais, ici, en cas contraire, j'ai P carte, paquet, N tiré, je tirais. Dire ok 13 cartes de 1 à 13 joue pioche 4 je pioche 4 cartes. Je devrais avoir, je pioche 4, donc du coup, je devrais avoir P4, ça devrait être 13 puissance 4.
strict. Qu'est-ce que tu entends par le sens strict? À vous, Bakrine? Qu'est-ce que tu entends par au sens strict? Au sens strict, ça veut dire strictement inférieur ou strictement supérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité. Sens large, c'est supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Je comprends pas. Ça veut dire la comparaison au sens large. Quand vous comparez deux éléments, ça, A inférieur ou égal à B, ça c'est au sens large. Au sens strict. Sens large. Et ça c'est sens strict. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas possible strict, il n'y a pas possibilité d'égalité. Par exemple, une fonction qui est croissante au sens large. Je vais éteindre ça. Large cardinal. Alors, juste quel est le cardinal 300. Voilà, ça a été. Donc, voilà, par exemple, la croissance, une fonction croissante, une suite croissante, une suite, hein? Suite. Croissante au sens large. Au sens large. Ok. Ça veut dire quand il y a une suite un, si je prends un, ou bien faisons xn, ok. Elle est croissante au sens large, si quel que soit n, xn est inférieur ou égal à xn plus 1. Ok? Croissante au sens strict. Sens strict. Ça, c'est quel que soit n. Xn est strictement inférieur. Hein? C'est ça. C'est le défaut. Sens large et sens strict.
Est-ce que tu peux me donner une piste parce que je suis bloqué? Je suis Ouais. bloqué. Ah, ça bouge pas. Non. Ok, donc on va corriger ensemble. C'est pas grave. Donc, exo 3. Ok. Soit petit n et petit p des entiers non nuls. On le prend non nul. Petit n. Déterminant le cardinal de suite croissante de suite croissante Ici, c'est au sens strict. Au sens strict. De P éléments. De P éléments de 1, 2, à OK. Déterminer de l'ensemble, le cardinal de l'ensemble, c'est un ensemble. Des suites croissantes au sens strict. D'accord? Bon. On va écrire des notations. Posons. Grand T. Alors, je lui donne un nom comme ça. Grand T. Égal ensemble des suites strictement croissantes des P éléments. Ensemble des suites de P éléments de 1 au fait c'est cette suite là on peut l'écrire comme ça c'est l'ensemble comme elle est croissante. On commence par le plus petit x1. D'accord? Oui, ça j'ai compris, ça je l'ai fait x2 jusqu'à xn à part. Jusqu'à xp. OK? XP. Tel que x1 est strictement inférieur à xd. Est strictement inférieur à xp. OK? Et xi sont des éléments de. D'accord. Et je vais poser grand F égale ensemble des sous-ensembles. OK? Ensemble des sous-ensembles.
de P éléments. D'un ensemble à un élément. D'un ensemble à un élément, ok? L'ensemble en question, c'est un D jusqu'à un, ok? Maintenant, ce que je vais faire, je vais construire une bijection entre ces deux ensembles. Construisons OK. Construisons construisons une bijection. De E sur F. La bijection en question est dans grand F. C'est quoi une bijection? Une bijection, c'est une application qui est telle que tout élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent et un seul dans l'ensemble de départ. C'est ça une bijection. Okay? Pour cette bijection, j'ai la note phi. Bon. Donc, un élément de E, c'est une suite. C'est x1, x2 jusqu'à xp, n'est-ce pas? Oui. C'est ça un élément. OK? Bon. De façon naturelle, je vais juste associer à cette suite cet ensemble. Ne pas confondre suite avec ensemble. Comme des éléments, je prends les termes là comme des éléments. Ça, c'est bien un sous-ensemble à P éléments. De, et ça appartient à grand F. OK? Réciproquement, si je prends un ensemble quelconque à P éléments, je peux l'ordonner pour avoir une suite strictement croissante. Est-ce que tu vois? C'est bien une bijection. OK? Comme c'est une bijection, deux ensembles qui sont en bijection ont des nombres, les mêmes nombres d'éléments. Phi est en bijective. Phi est bien une bijection. OK? Comme phi est une bijection, comme phi est une bijection, on a bien ici. Phi est une bijection, d'où le cardinal de E, le nombre d'éléments de E, est égal au nombre d'éléments de F.
S, le nombre d'éléments de F, ça c'est connu. Quel est le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à P éléments dans un ensemble à N éléments? Ça c'est connu. C'est CNP là. Voilà. Le nombre de sous-ensembles, si vous en, on vous pose la question, le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à P éléments, le nombre de sous-ensembles à P éléments d'un ensemble à N éléments, c'est CNP, combinaison de P parmi N quoi. Ça, D'accord. c'est connu, on vous définit comme ça, le nombre. Quand on vous donne un ensemble, il y a un élément, on vous dit de donner le nombre de sous-ensembles à P éléments. P doit être plus petit que N. Et ce nombre-là, c'est CNP. Ça veut dire que c'est combinaison. Un sous-ensemble d'un ensemble à P éléments est appelé une combinaison de P éléments parmi N éléments. Et ce nombre-là, vous avez vu dans les cours du lycée, et ce nombre-là, c'est CNP. Je me souviens pas. Oui, depuis le lycée, on donne des combinaisons. Il faut tout simplement retenir que quand vous avez, par exemple, un ensemble à 5 éléments, OK? Et faisons le plus simple possible. Et vous allez comprendre, je crois bien. Quand on vous donne ici, je prends le plus simplement possible. Ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais utiliser les petits chiffres pour que vous compreniez. OK. Bon, si je donne par exemple grand F, je donne ici grand F. On va aller petit à petit. Grand F égale à vide. Vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Il y a combien de sous-ensembles? P de grand F d'abord. Quels sont les sous-ensembles de grand F? Il y a combien de sous-ensembles dans grand F? F égale vide. Donc il y en a est vide. N'y a que vide. N'y a que grand. F égale. N'y a que vide seulement, singleton vide. Est-ce que tu as d'autres sous-ensembles? L'inverse. L'inverse, comment tu peux prendre l'inverse du vide? L'existence. Tu n'as qu'un seul sous-ensemble dans le vide, le vide. Tu n'as pas d'autres sous-ensembles. Et le vide Non, est c'est unique. En vrai. mathématiques, le vide est unique. Tu n'as pas deux vides en mathématiques. D'accord. Le vide est unique. Maintenant, si je prends un grand F égal à singleton, par exemple petit a, un seul élément, ça c'est zéro élément. Si tu as un seul élément, quelles sont les parties de grand F? Ah.
Les parties de grand F, il y a singleton A, d'accord, mais il y a autre chose encore. Il y a toujours le vide comme sous-ensemble. Le vide est un sous-ensemble de singleton vide. Vide est un sous-ensemble de tous les ensembles. Ok? Tu prends n'importe quel ensemble. Tu prends n'importe quel ensemble. Le vide, il contient des vides. Le vide est contenu dans tous les ensembles. Est-ce que tu vois? Oui. Il faut retenir ça. Le vide D'accord. est contenu dans toutes les sources. Hein? D'accord? Hein? Quand il y a ça, maintenant, parmi les sous-ensembles, il y a le singleton vide lui-même. Ça veut dire l'ensemble lui-même. Ça veut dire quand tu prends n'importe quel ensemble, il contient des vides et il se contient lui-même. D'accord? Donc, il y a deux ici. Tu vois, tu as ici des cardinales. Des cardinaux de F, de O, de grand F ici, un seul élément, un. Ok? Ici, tu as combien d'éléments? Combien de dans quoi? Dans F, Et j'en ai deux. deux, voilà. Ok? On continue. Ok. Maintenant, je progresse. Là, je vais introduire des notions progressivement. Oh. C'est des trucs élémentaires qu'on voit dans les petites classes, mais on les oublie après. Oh. Après, voilà. On continue. Si je prends grand F égale, cette fois-ci, j'augmente un élément. Petit a et petit b. D'accord? Bon, les éléments, quels sont les éléments de p de grand F? Les parties de grand F, quoi. On a toujours le vide d'abord, n'oublie pas. On a trois. Ok? On a des singletons. A, le singleton B, et on a la paire AB. Ok, on a combien d'éléments ici? Non, pas trois. Je comptais Ah, on en a quatre. quatre fois. Ok. D'accord, hein? Bon, je continue toujours. Je veux m'arrêter là, après on dégage une formule. Okay? Grand F égale ABC, j'ai trois éléments en grand F cette fois-ci. Ok? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai comme? Je vais effacer ici. Voilà, avec la gomme. Ok. Bon.
On a cette fois-ci P de grand F. P de grand F, c'est les parties de grand F, ok? P de grand F, on commence toujours par le vide, ok? Ici, c'est ABC, quoi. J'ai trois éléments, ça. J'ai des vides, d'accord? J'ai des cinq de temps. Les cinq de temps. Après, j'ai des ensembles à deux éléments. J'ai la paire AB. D'accord? La paire AC. Oui, il faut faire attention, la paire AB est égale à la paire BA. Mais le couple AB n'est pas égal au couple BA. D'accord? Il faut faire la différence entre paire et couple. Donc, après, je vais effacer quand même pour avoir de la place. Et il y a ABC. AB, AC, BC. Oui, c'est ça. On a AB, AC et BC. Voilà. Les sous-ensembles, trois éléments s'arrêtent là. On en a huit. Voilà. Les sous-ensembles. Donc ici, on a BC. Tu as bien vu. BC. Et enfin, ABC. Donc j'ai un tour de cardinal de grand F. Le grand de grand F de PDF. De PDF, cardinal de PDF égale à 8 ici. N'est-ce pas? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc, en conclusion, on regarde d'abord que nous avons ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on généralise, si on a cardinal de grand F égal à N, ok? Alors, cardinal de P de F, ça serait égal à 2 puissance N. Voilà. Alors, est égal à N. Ok. 2 puissance N. On est d'accord? Hein? Bon, donc ici, tu vois bien ici que le nombre de sous-ensembles à un seul élément, on a trois. D'accord? Le nombre de sous-ensembles à deux éléments, on a trois aussi. Et le nombre de sous-ensembles à deux éléments, disons. À deux éléments, on a trois aussi. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, le nombre de sous-ensembles, nous avons le nombre de sous-ensembles, on généralise ça aussi, des sous-ensembles. À P éléments, ok? À P éléments. D'un ensemble. À N éléments. Ça, c'est CNP. Il faut retenir ça. Tu peux le vérifier avec quand n égale à 2, tu vois. Par exemple, si n égale 2, ok? Le nombre de sous-ensembles à un seul élément, CD1. On peut calculer CD1
Ça fait AD1 hein, sur factoriel de AD1, ça c'est D. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc AD1, ça fait D ici. Ça bégaye. Si je démarre, on perd des trucs aussi. Quand ça fait un certain temps. Ok, bon, je vais écrire au doigt. Ok, donc regarde. Ça, c'est égal à 2 sur 2. Okay, 2 sur 2, ça fait 1. On voit que on a, quand il y a deux éléments, attention ici, pour les singletons, oui. Oui, sur factoriel 1, c'est factoriel 1. Ça fait 2, ok? Si je cherche ici, par exemple, là où j'ai 4 éléments, je vais chercher le nombre de. Le nombre de sous-ensembles à 3 éléments. Ah, je peux écrire avec les doigts. Oui, je savais pas qu'on peut écrire avec les doigts. Ça fait ici A, 3, A4, 3, disons, A4, 3. Mais on peut bien écrire avec les doigts. C'est factoriel 3. Ça fait 4 fois 3. Factoriel 3, ça c'est 6. 1 multiplié par 2 multiplié par 3, c'est 6. 12 sur 6, ça fait 2. Donc, le nombre de sous-ensembles à 3 éléments ici, d'un ensemble à 4 éléments, ce que j'avais sauté ça, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il y a 4 éléments, c'est bien ça. Ce que je n'ai pas fait pour 4 éléments, c'est bien ça. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici. Je vais. Ouais, je peux utiliser les doigts, je ne savais pas tout ça. Je ne maîtrise pas ma voix. Mais avec le stylet, c'est plus pratique. Ne savais pas tout ça. Et je pouvais utiliser mon doigt. Avec mon doigt, c'est lisible, n'est-ce pas? Avec ton doigt, Oui, c'est moins lisible. Bon. Mais c'est lisible quand même. à peu près, oui. C'est lisible. Puisque si je démarre, je serai obligé de renouveler l'invitation. Moi, je n'ai pas envie de faire. Ça perd du temps. Bon, ok. Donc, je disais que. Si on cherche, on veut calculer C5, si je prends C5, ok? Je cherche le nombre de sous-ensembles à 3 éléments, ok? On calcule comme ça fait A, 5, 3. Sur factoriel 3.
OK. A, 5, 3, ça fait 5 fois. 4 fois 3 sur 1 multiplié par 2 multiplié par 3. OK. Et Oui. simplifié par 3, simplifié par 2. Donc, ça nous fait 10. Ça veut dire qu'on a 10 sous-ensembles. 10 sous-ensembles à 3 éléments. OK? 10 sous-ensembles à 3. Voilà. Alors, pour n sous-ensembles parmi p éléments de n éléments. Voilà. Maintenant, avec l'autre, ça fait directement, si on veut chercher le nombre de suites croissantes, strictement croissantes, de 7 éléments, OK? De P éléments, disons, OK? Ça fait ANP. L'autre, ça fait ANP. Je fais ici ANP en tout. Bon, nous n'allons pas suivre forcément un certain ordre. On va faire toujours des va-et-vient entre statistiques et probabilités. D'accord? D'accord. Va faire des va-et-vient. Je te poserai des questions presque élémentaires pour voir si tu as vraiment compris. Hein? C'est pas D'accord, pour te j'essaie de faire connaître. gagner. Non, je sais, je comprends ta C'est pas inquiétude. pour te faire connaître. C'est pour vérifier si tu as. Bon, donc c'est ça. La deuxième question, on dit de déterminer le cardinal. Donc, disons, je n'ai pas fini, on écrit. Donc, c'est des nombres qu'on cherche là, c'est CNP. OK. Un truc, ça s'appelle factoriel N sur factoriel P. Multiplié par R moins B factoriel. Voilà. C'est ce qu'on cherche. Voilà la deuxième question maintenant. Déterminer le cardinal de l'ensemble des suites croissantes. Ça, cette fois-ci, c'est au sens large. De D'accord, P. parce que Vous à l'ensemble des suites croissantes au sens large, donc ça veut dire Bon, que je vous laisse ça. un tout petit peu réfléchir, au moins 2 minutes. Okay? On a fini avec le sens large au sens strict. On a fini avec le sens strict au sens large. Et je vous laisse essayer de comprendre. N'oublie pas que cette fois-ci, c'est inférieur ou égal. Sens large.
Je ne sais pas comment faire. Tu peux m'expliquer? Mais d'accord, oui. Tout de suite. À l'instant T. Voilà. Ok. Aristide continue à refuser d'écrire, mais ce n'est pas grave. Va écrire avec le doigt. Je viens de voir que le doigt là, ça marche. Oh, j'enlève ça. Il faut que j'écrive attentivement. Ah, ça marche. Ça marche, le doigt. Ok. Ces données. C'est la deuxième question. C'est donné. C'est donné. Une suite croissante. Il y a la batterie qui commence à décon. Je vais brancher quoi. Tu as appris quelque chose quand même, tu as bien compris des rappels. Je peux te reprendre après. Je commence à voir que Est-ce tu que es où. oublier le cours par écrit, ça m'aiderait? Ouais. Je crois que nos séances de week-end là, on va se servir de ça pour rappeler des choses à côté aussi. OK? Ça m'aiderait beaucoup, oui. Non, il n'y a pas de problème. Tu sais, on oublie, hein? On oublie tellement qu'on se pose la question qu'on avait dit la notion même. Ça arrive, hein? Et puis ça arrive à nous tous. Moi, il y a des notions que j'ai oubliées. Que j'avais vues, mais depuis longtemps. On se sait que c'est dans vaguement, je me rappelle de ça. On ne peut pas tout retenir, hein? C'est même bête de retenir ce qui ne te sert pas. On ne retient que ce qu'on utilise. Hein. Ou bien. Et surtout maintenant qu'on a tout sur Google, là. On ne se fatigue pas de retenir les choses. Non, Ouais. c'est vrai. Il faut ménager sa mémoire. Hein. Alzheimer.
Je viens de mettre, en partir d'aujourd'hui, mais si le stylet manque seulement, j'utilise mon doigt. Je ne savais pas tout ça. Je sais Oui, la tablette tactile, elle marche aussi pour le doigt, en effet. pas. C'est pour le doigt. Le stylet, c'est pour des écritures fines, quoi. C'est pour pouvoir écrire finement, avec finesse. Voilà. Voilà. OK. Donc, c'est donner une suite croissante. Une suite croissante. Croissante au sens large. C'est donner une suite croissante au sens large de P éléments. De P éléments. De 1. De jusqu'à 1. Le P élément revient à ces données revient à ces données revient à ces données pour I. Pour I égale 1 jusqu'à N. Pour I allant de 1 à 1. Je vais prendre la gomme. Revient à ces données pour le nombre XI, à ces données le nombre XI d'éléments de la suite de la suite. Le nombre XI d'éléments de la suite égaux à I. Égaux à I. Ça veut dire XI. Les XI peuvent être égaux à I. Un des I qui se trouve dans l'ensemble ND jusqu'à N, ok? Comme ce n'est pas de sens strict. Ouais. C'est ça, égaux à I. Avec la condition. Je vais effacer.
Avec la condition sigma de xi, ok, xi alors de 1 à n égale à p, ok. Ça veut dire x1, tous les x1 sont égaux à 1 par exemple, ok? Tous les x2 sont égaux à 2. Tous les x3 sont égaux à 2. Et p avec xi supérieur ou égal à 0, ça peut être 0, ok? Donc, on voit bien qu'on s'est ramené à la question précédente, au nombre d'enveloppes. OK? D'accord. Donc, Donc là, voilà, c'est P puissance, c'est P puissance N. le cardinal de l'ensemble que je vais Oui. noter, et prime, cet ensemble est prime, ça fait ici. P puissance N. Ça fait Combien? cn moins 1 ici, N moins 1, P moins 1. n moins 1 plus p. Non. Donc l'exercice est terminé. D'accord, eh bien merci. Je vais retravailler tout ça. Voilà. Maintenant, je vais te donner un exercice. On a commencé à 18h10. Il est 20h02. On démarre l'exercice. Après, on achève. D'accord, Je vais d'accord. chercher, tu me donnes le temps. Bon, je commence à voir qu'il faut que je rabaisse le niveau de l'exercice pour ne pas trop te décourager. Est-ce que Moi, ça ça... me décourage pas, je t'assure. Essayer de passer au peigne fin. C'est comme il y a un peu de quiz dedans, quoi. Sous forme de quiz. Je vais t'envoyer la suite après. Je vais tout envoyer tout d'un coup. Pas de tout, mais progressivement.
En fait, j'espère que tu sauras lire quoi. Voilà. Je vais t'envoyer si tu as des trucs, je vais te préciser. Et je suis en train de faire des captures d'écran ici. Voilà. Bon, les choses s'emboîtent quoi. Ça s'emboîte. Maintenant, c'est la partie question que j'envoie. La partie, je les envoie en même temps. Donc, est-ce que j'ai reçu? C'est pas parti d'abord, ça. C'est en train de. Petit. Oui, je te l'envoie. Maintenant, j'espère que tu pourras les exploiter. Et il faut te dire les photos dans l'ordre. Je t'ai envoyé les photos. Les captures. J'attends que ça arrive. Ça arrive.
Bon, comme on n'aura pas le temps de le faire, je te laisse te chercher ça pour la semaine prochaine, ok? Maintenant, cette semaine-là, OK. je suis en train de rebâtir un autre cours pour des inférences statistiques, là. Je vais te faire un cours vraiment très bien fouillé et en même temps profiter de ces heures-là pour relever ton niveau quoi, en mathématiques. Voilà. Donc, c'est peu que ça soit au minimum, c'est 2 heures, ça peut être 4 heures. On peut travailler samedi et dimanche. Où est-ce que tu vas? Oui, dimanche, ça me va travailler samedi et dimanche. Ah, samedi et dimanche, d'accord. Courage, hein? Merci, ça y est, ça vient d'arriver. Ah oui, ça va. On peut arrêter pour aujourd'hui comme ça. Ok, j'ai les trois images. Ok, merci. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Oui, bonne soirée et à la prochaine. Merci vraiment. Merci pour tout. Oui.